Il veut pas. J'invite les participants du forum Reset à nous rejoindre sur l'espace de prise de vue, l'espace interview, puisque nous allons vous présenter les startups du village d'innovation. Elles ont 3 minutes pour pitcher. Soyez là pour les soutenir. Elles ont de belles choses à vous dire. Et nous commençons par la startup ABCSR. Allez-y. Bonjour. Donc ABCSR est une jeune start-up qui est spécialisée dans la mesure de la performance RSE à partir des données économiques de l'entreprise. Donc notre métier, c'est donc de mesurer les contributions sociétales d'une entreprise, donc principalement une petite organisation, sur l'ensemble des champs de la RSE, donc principalement du référentiel ISO 26000, et d'être capable donc de transformer des données économiques en agrégats et d'indicateurs extra-financiers qui vont de donner quelle est la mesure du partage de ma valeur jusqu'à l'évaluation, par exemple, d'emplois indirects ou de contributions sociétales à la santé sur un certain nombre de choses. Donc notre solution, elle répond à un problème qui est majeur, c'est de dire comment une PME qui fait de la RSE est capable demain de mesurer, une fois qu'elle est en action sur ces éléments-là, et de prouver, notamment dans un rapport RSE annuel, ses contributions. Voilà, donc notre enjeu, c'est de mobiliser et de tenter de mesurer l'ensemble des contributions sociétales des PME, soit plus de 3 millions de PME en France. Donc notre marché est gigantesque. Notre outil aujourd'hui permet une modélisation qui est au carrefour entre le big data et l'analyse financière. Donc c'est la réconciliation et c'est le fait de faire matcher à la fois des données économiques de l'entreprise avec des data qui sont internationales et disponibles pour la plupart d'entre elles sur des données économiques qu'on a réussi à travers un certain nombre d'algorithmes à rendre ça automatisable. Donc c'est une solution qui est à la fois simple, qui est utile et qui économiquement est accessible puisqu'on délivre 20 indicateurs principaux avec un agrégat d'informations autour en moins de 5 jours. Merci. Venez nous voir si vous voulez plus d'informations. Alors, prochaine start-up, merci à ABCSR qui a été concis et clair et rapide. On est dans 3 minutes, ça va très très vite. La prochaine start-up, c'est BR Paca, une jeune boîte qui travaille sur la mise en place de bornes de recharge pour voitures électriques avec un supplément de services diagnostiques à la mise en place et du conseil. À vous. Bonjour, Rony Soussem, société BRP. La société a été fondée il y a 3 ans. On est spécialisé dans la mise en place de bornes de recharge pour les voitures électriques auprès notamment de sociétés. En plus de ça, on est installateur Tesla. Donc, nous, on part du conseil jusqu'à l'installation, la gestion des accès des contrats de maintenance et le fait de faire payer sa recharge à nos utilisateurs. Les voitures électriques, c'est un grand sujet en France. Et nous, on a pris le parti pris de vraiment suivre nos clients et de ne pas les lâcher dans la nature. On valorise vraiment cet investissement-là par de la communication après, par gérer vraiment les accès avec notamment tout ce qui est flotte de véhicules électriques auprès de nos clients. Et notre avantage RSE qu'on met en place aujourd'hui, c'est vraiment que lorsque des clients viennent, Lorsque des salariés viennent en voiture électrique, c'est un gros avantage pour eux. Et nous, les directeurs RSE ne veulent pas s'augmenter leur poids. Et nous, on est vraiment là pour les conseiller et mettre en valeur cet investissement-là. Donc notre start-up, elle est ici, sachant que les entreprises bénéficient actuellement de 40 à 50% de la part de subventions de l'État pour mettre en place ces bornes de recharge-là. Venez nous voir pour qu'on vous montre nos solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La start-up qui vient se présenter désormais, c'est Codesna.
Voilà, je vais lui laisser la parole. Alors, Codesta, c'est une solution qui permet de travailler sur la mesure du stress très largement. Je vais vous laisser développer. Merci beaucoup. Donc effectivement, Marc Latouche de la société Codesna. Donc on est une start-up et on travaille sur la physiologie de la personne. Et donc on a développé des algorithmes justement pour mesurer la physiologie d'un individu. Ce qui nous a permis de créer en fait un produit unique qui permet de mesurer le stress d'un individu de manière simple, rapide, en 2 minutes. Et quand on parle de stress, on parle vraiment, nous, de stress chronique. Donc, pas le stress instantané, qui est le stress positif. Il y a une action, il y a un problème, il faut réagir. Là, c'est le bon stress. C'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un stress qui s'installe chez la personne et qui est souvent signe de pathologie, qu'on va dire, qui peut être des troubles musculosquelettiques, qui peuvent être des problèmes de peau, et puis qui, derrière, peuvent amener sur des problèmes plus graves, de problèmes cardio-respiratoires, voire ce qu'on appelle sous le terme de burn-out. Donc l'intérêt de notre produit et de notre approche vis-à-vis des entreprises, c'est en fait de venir en entreprise, de parler un peu de ce que c'est la physiologie d'individu et puis de proposer aux employés de se mesurer de manière anonyme et individuelle pour qu'ils aient une propre vue de leur propre physiologie et de leur état de déséquilibre ou non. Donc derrière, en voyant ces chiffres, ces marqueurs, ça leur permet de se dire, ben oui, en fait, tout va bien. Peut-être qu'il y a un peu de stress, mais je le supporte. Ou bien dire, tiens, là, il y a un stress qui est en train de se prolonger, s'installer. Peut-être que je devrais faire quelque chose pour être mieux, pour avoir un bien-être au travail ou chez moi, à la maison. Puisqu'en fait, le stress chronique peut avoir différentes raisons. Peut-être un problème d'entreprise à l'entreprise ou peut-être un problème personnel, familial, etc. Donc nous, on permet d'avoir ce diagnostic, d'avoir un discours avec l'employé et d'assurer un peu cette confidentialité des données vis-à-vis de l'entreprise ou vis-à-vis de la direction. Voilà, donc en fait, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ce que je pourrais juste rajouter, c'est que donc on a le stand là-bas. On propose aux personnes qui veulent le tester de tester eux-mêmes leur propre équilibre physiologique. Comme ça, ils voient que c'est très simple à faire. On met 2 pinces, une respiration pendant 2 minutes et on vous fournit les marqueurs qui permettent de voir votre état. Comme ça, ça vous permet de voir si c'est un intérêt dans votre entreprise. Merci. Merci à vous. Vous avez observé la rigueur de ces startups qui tiennent dans les 3 minutes. C'est la première fois que je vois ça. En général, ça déborde. Là, on est parfait. On invite maintenant la cagnotte des proches à nous rejoindre. Alors, la cagnotte des proches, c'est une solution assez atypique. Moi, je les découvre. Je ne connaissais pas ce type de service. Je crois qu'ils sont très innovants de ce point de vue-là. Et c'est une solution qui permet de générer un effet de collecte autour des patients et de leurs difficultés de santé. Et qui s'adresse aux proches et aux établissements publics, aux établissements privés qui travaillent sur la question du soin. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Martine, bonjour. Je suis Christophe Roturier, je suis accompagné de mon associée Anne-Sophie Roturier. Nous sommes les fondateurs de la cagnotte des proches, lacagnottedesproches.fr, c'est très simple. Une entreprise créée fin 2016, issue du territoire, basée à Aix-en-Provence, accompagné par Initiative France depuis quelques semaines. Notre projet est simple. Nous sommes une plateforme qui permet à des patients ou à leur entourage de créer des cagnottes pour financer du soin, des traitements, de l'achat de matériel médical, des projets, des cadeaux. Donc tout ce qui va entourer la maladie et le parcours de soins. Notre plus-value par rapport aux acteurs du marché, notre innovation, c'est d'avoir créé une plateforme qui soit résolument centrée sur le patient. Nous sommes nous-mêmes issus de la santé. Anne-Sophie, présidente, est infirmière. Donc nous avons une bonne connaissance des parcours de soins dans les maladies complexes comme le cancer, les maladies rares, l'handicap, les troubles comme l'autisme. Et donc nous savons dialoguer avec les patients et les familles qui prennent contact avec nous. Nous les accompagnons de ce point de vue-là. Nous avons donc réussi à créer une plateforme qui soit centrée sur le patient. Nous avons en tête de créer toute une des services qui accompagneront ces patients. Demain, une marketplace, nous l'espérons, où les cagnottes pourront être dépensées dans des produits et des services partenaires. C'est ce qui nous permettra de valoriser notre entreprise. Je voulais aussi vous parler de l'impact social, l'impact sociétal de notre plateforme. Il est réel et évident.
Sur le territoire, nous avons des partenaires qui sont des associations et des centres de soins. Je vais en citer quelques-uns. Le centre ressources basé à Aix-en-Provence, l'unité pédiatrique de la Timone, guérie d'un cancer, le Point Rose. Et nous aidons ces associations à répondre aux appels de leurs membres, des patients, des familles, des enfants qui ont besoin de financer des soins, comme je le disais. En France, la maladie isole, engendre des coûts et des frais indirects. Et l'assurance maladie en France ne peut pas tout financer. Voilà. Donc de ce point de vue-là, nous aidons les associations. Nous accompagnons également les entreprises, et je vais m'arrêter là, qui sont parfois dépourvues de face à la maladie d'un collaborateur ou la maladie qui va toucher le proche d'un collaborateur. Et nous les aidons, nous les accompagnons. La cagnotte des proches peut être un outil dans ce dispositif d'accompagnement et nous les aidons à réfléchir à cette prise en charge dans le cadre de conseils ou de formations. La cagnotte des proches, venez nous voir, nous sommes là. Et voilà, j'ai fait les 3 minutes. Merci. Bon, alors je vous demande, on a 2 petites minutes de marge, on a de la chance. Vous allez avoir une annonce pour le forum. Cécilia a disparu, mais elle va réapparaître tout de suite. Donc, je voulais simplement vous rappeler les 2 mini-conférences débutent en salle Morgiou et en salle Sorbiou. La première, la mini-conférence sur le fonctionnement en équipe, comment diminuer utile le stress. Et la conférence numéro 2 en salle Sorbiou sur le baromètre 2016 de la MSE en PACA. Voilà, on poursuit le. Ok, alors on va accueillir maintenant les paniers de Léa. Les paniers de Léa, c'est une solution délicieuse de fruits, de paniers pour accompagner vos salariés dans le changement de son comportement, de leur comportement alimentaire, dans une meilleure qualité du temps de repas. Je vous laisse la parole. Bonjour. Je viens de Lille où j'ai cofondé la société Les Paniers de Léa sur une idée simple. Dans l'entreprise, on passe son temps à manger. Je vais vous faire l'exemple d'une journée type. Si vous êtes en retard le matin, ou à manger ou pas, hein, si vous êtes en retard le matin à une réunion, vous partez sans petit déjeuner. Et donc c'est pas très bon pour la santé, mais vous avez faim du coup à 10h, donc vous allez chercher quelque chose à manger, il n'y a qu'une machine à distribuer des Mars, donc c'est pas forcément très très bon non plus. Et puis l'après-midi vous avez une autre réunion qui s'enchaîne et vous êtes un peu à la bourre, donc vous prenez un sandwich, et puis vous le mangez devant votre ordinateur, c'est pas forcément conseillé non plus. Il s'avère qu'à cette réunion de l'après-midi, on vous a mis des petits gâteaux sympathiquement à manger, mais c'est plein de sucre. Et puis le soir, vous n'avez pas eu le temps de faire votre course, donc du coup, vous devez aller faire vos courses pour manger. Donc du coup, finalement, la conclusion, c'est que l'organisation du travail a énormément d'impact sur la manière dont on mange. Et finalement, on passe son temps à manger dans une entreprise, donc ça peut être une réponse à des enjeux de RSE, de convivialité et de prévention santé, qui sont des enjeux qui montent de plus en plus dans les entreprises, et notamment autour des enjeux de bien-être et de sens qu'on va donner. Donc nous, on est parti de ce constat-là pour proposer aux entreprises de repenser l'alimentation comme un outil positif. On livre des corbeilles de fruits, ça c'était notre premier métier. On livre des corbeilles de fruits dans les entreprises. On livre des petits déjeuners 100% locaux, mais aussi des petits déjeuners healthy. On a toute une gamme d'animations pour accompagner les entreprises dans les moments de vie qu'elles créent. Donc ça peut être des bars à smoothie, des bars à jus détox, mais aussi les fameux vélos à smoothie. On mène aussi des ateliers de prévention santé avec notre équipe de naturopathes pour donner les clés d'une meilleure alimentation en lien avec le travail. Et enfin, on propose aussi aux entreprises de communiquer avec les fruits. Tout ça prend son sens dans des programmes qui sont construits par rapport au contexte des entreprises, par rapport à leurs enjeux de bien-être ou de RSE. Et cela s'intègre dans un écosystème d'acteurs qui travaillent sur le bien-être. Ça peut être l'exemple avec Someo, que vous allez voir tout à l'heure, qui travaillent, eux, sur le sommeil pour répondre aux enjeux de bien-être sur le lieu de travail. Et si aujourd'hui on est là, c'est parce que la BPI nous a financé un programme de recherche qui va permettre d'évaluer l'impact de notre action
sur la performance de l'entreprise et plus précisément sur la santé des collaborateurs, parce que c'est très bien ce que je vous ai dit, mais il va falloir que je le prouve pour que les entreprises engagent un vrai changement et regardent autrement l'alimentation sur le lieu de travail. C'est un programme de recherche autour duquel on a fédéré des acteurs publics et privés comme l'Institut Pasteur ou des chercheurs en sociologie, en psychologie du travail ou en organisation, en économie et des mutuelles. Donc ça portera ses fruits d'ici 3 ou 4 ans, mais c'est pas grave, on a le temps, on est jeune. Merci. Il est grand, hein ? Mon empreinte positive, vous nous rejoignez ? Alors, mon empreinte positive, c'est une plateforme commerciale de mise en relation d'acheteurs et de fournisseurs autour de la problématique de la consommation et de l'achat responsable. Je vous laisse développer. C'est une magnifique base de référence. Je vous invite à aller les rencontrer. Merci. Moi aussi, je suis très grande. Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux. Donc, nous, on est une start-up dédiée aux achats responsables, reconnue par BPI France, soutenue par BPI France au titre de l'innovation sociale. Donc on développe une solution en fait qui permet à nos acheteurs d'avoir un sourcing qualifié de fournisseurs éco-responsables, fournisseurs qui répondent soit à un impact social, sociétal ou environnemental Donc on organise en fait l'interface et la relation entre ces différentes parties prenantes, acheteurs grands comptes, collectivités, PME qui ont envie de s'engager dans une voie volontariste en faveur des achats responsables en réponse à des engagements dédiés au développement durable. Donc on a la plateforme collaborative qui aujourd'hui est en développement, qui sera en ligne à la rentrée 2017. Donc vous pourrez nous retrouver, enfin en tout cas trouver vos fournisseurs dès la rentrée. En attendant, on accompagne nous dans l'humain nos clients. On les accompagne dans leur réflexion en matière de stratégie d'achat durable. On les accompagne dans leur reporting extra-financier, toujours sur les achats durables. On accompagne aussi nos fournisseurs dans des réponses communes à des besoins qui peuvent être parfois très très vastes. Donc l'idée c'est aussi d'inscrire une communauté d'acteurs sur ces sujets d'achat responsable. Aujourd'hui on est à un moment clé de notre développement. BPI France nous a soutenus dans notre phase expérimentale pour vérifier qu'on était bien là en réponse à un besoin prégnant des entreprises. Aujourd'hui on a pu vérifier qu'effectivement ça faisait sens pour les entreprises que de travailler sur ce sujet-là, que bien souvent elles étaient démunies pour avoir des réponses opérationnelles pour développer vraiment une politique d'achat responsable. Donc on est aujourd'hui à ce stade du déploiement au national de notre plateforme, avec l'arrivée de la plateforme collaborative, je le disais, en septembre, et demain avec des équipes sur l'ensemble du territoire national. Et vraisemblablement, il semblerait qu'en PACA, on vienne de plus en plus souvent à la lecture des échanges que j'ai depuis ce matin avec différents acheteurs potentiels. Aujourd'hui, petit clin d'œil communicationnel, on est en recherche de parrains, on a déjà pas mal d'entreprises qui nous soutiennent, mais voilà, on aimerait beaucoup avoir aussi des parrains en territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur pour nous soutenir dans notre démarche et dans notre besoin de financement, notamment sur les aspects RH. On a beaucoup de grands comptes à nos côtés, La Poste, Enedis, Saint-Michel, SNCF, etc. Mais tout le monde, toutes les entreprises sont les bienvenues et les achats responsables ne sont pas l'apanage des grands groupes. On peut tous se saisir de l'achat durable demain et avec empreinte positive, ce sera le cas pour tous. Voilà, merci. Alors, on va passer à Running Heroes. Vous savez que la thématique cette année du village de l'innovation, elle était double et elle était soutenue par la BPI. C'est important pour nous d'avoir du coup une vision plus large sur les applications. Le village d'innovation, il a 6 ans. Le forum est beaucoup plus ancien que ça, mais le village a 6 ans et chaque année, on essaie de thématiser. Cette année, deux thématiques. Une thématique portant sur les applications relatives à l'engagement social, sociétal, environnemental de l'entreprise. Donc une volonté large, mais numérique et innovante de vous présenter des solutions. Donc certaines plateformes correspondent à cette proposition-là, comme mon empreinte positive. Et puis des applications, des objets connectés, des solutions qui sont liées au bien-être, à la santé, sur le travail. C'est le cas de Running Heroes, qui travaille sur une plateforme d'activité qui encourage à l'activité physique, qui le récompense et qui le dote de produits obtenus auprès de partenaires marques. Je le laisse développer. Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Martine de nous avoir invités. Vous m'entendez ? Super. Écoutez, je suis Maxime Géraud, je travaille pour la société Sport Heroes Group.
notre métier au quotidien, bah, écoutez, c'est d'animer des communautés de gens, d'animer des communautés de sportifs. Voilà, nous sommes 50 salariés, 50 passionnés de sport, répartis à Paris, Londres et Sydney. Nous venons de lancer le United Heroes Championship. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme web compatible avec toutes les applications de sport, que ce soit des podomètres, que ce soit des applications classiques, que ce soit des montres et bracelets connectés. Et on comptabilise les kilomètres parcourus de vos collaborateurs. Donc voilà, ces collaborateurs sont rassemblés sur une page dédiée, réservée à l'entreprise, aux couleurs de l'entreprise. Et ils s'amusent, ils se challengent au quotidien au travers d'un classement interne. Voilà. Donc chaque entreprise qui participe a sa propre page dédiée où s'amusent vos collaborateurs. À côté de ça, on s'occupe de toute l'animation et de toute la communication de la plateforme. En termes d'animation, eh bien, on va proposer des challenges. Chaque semaine, on va lancer un défi physique à vos collaborateurs qui peut être, le jeudi 22, tenter de marcher 5 km. Et tous ceux qui réussissent, tous ceux qui remplissent la condition, on les récompense via nos 350 marques partenaires. Donc on encourage l'effort physique et l'activité au quotidien. En termes de communication, on va vous fournir un pack de communication interne avec des affiches, des flyers, des mails types pour engager vos collaborateurs. Et en pack de communication externe pour l'aspect marque employeur, on va vous fournir des posts sur des réseaux sociaux, on va vous fournir un label qui est le label Sport Friendly grâce auquel vous pouvez communiquer. Alors les bénéfices dans tout ça, ils sont très simples. Tout d'abord, c'est du fun, c'est de l'amusement pour vos collaborateurs qui sont rassemblés et s'amusent à se challenger au travers du classement. C'est effectivement en marque employeur, c'est toujours intéressant de communiquer sur le fait que vous mettez en place des choses pour vos salariés, pour les faire lever de leur chaise, les faire bouger un petit peu. Voilà, donc c'est une plateforme qui est à partir de 40 euros par mois. On l'a voulu assez accessible et je serais ravi et je vous accueille sur mon stand qui est juste au bout de vous en dire un petit peu plus si vous avez des questions. Voilà, merci pour votre écoute. Alors on appelle VASI. VASI, c'est une solution numérique qui permet de proposer des activités physiques adaptées et donc d'encourager l'entreprise à bouger. VASI, voilà. Donc bonjour, moi c'est Julia, je représente VASI en région PACA. Donc en fait, VASI, c'est une jeune société universitaire et innovante de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, à l'heure actuelle, on est 18 salariés. Donc notre activité, elle peut être divisée en trois parties. Donc en fait, on va avoir une première partie de prestations en activité physique adaptée. Donc en fait, ça va être soit sur le terrain, donc en face à face avec le pratiquant, soit en sympathique visio, donc sympathique pour santé, activité physique adaptée, utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc en fait, là, ça va vraiment être... en visioconférence avec le pratiquant. Donc en fait, c'est à peu près 2700 personnes qui sont prises en charge. On encadre à peu près 12 pathologies et on fait donc du sport en entreprise, mais aussi on intervient dans les hôpitaux, dans les réseaux de patients, les associations de patients. On a aussi une partie expertise, pardon, donc avec 12 protocoles de recherche nationaux et internationaux. Et on a aussi une partie donc e-santé, donc avec la création de la première plateforme interactive et collaborative en activité physique adaptée, donc en fait qui permet une prise en charge collaborative tout au long du parcours de soins du patient, et une partie sur le développement de nouvelles technologies avec le développement de capteurs physiologiques. Donc voilà. Vous avez vu, en moins de 2 minutes, hein, bravo. Zéro éco-impact. Voilà. Zéro éco-impact, c'est une solution, là encore, très nouvelle, assez atypique, qui permet de mettre en relation entreprises, salariés, citoyens autour de problématiques et de challenges environnementaux. Je vous laisse développer.
Merci. Alors, je suis Noël Boza, fondateur de la plateforme sociale Zéro Éco-Impact. Alors, on est parti d'un constat simple que je pense que beaucoup d'entre vous vont reconnaître. C'est qu'aujourd'hui, les particuliers, les entreprises ont tous envie d'agir pour l'environnement. Mais dans les faits, il y a quand même peu de passages concrets à l'action. Et ça peut se comprendre parce que l'écologie est malheureusement un peu trop déconnectée de la société aujourd'hui. C'est pas forcément valorisable, c'est pas quantifiable. Et c'est souvent perçu comme un sacrifice en temps ou en argent par le particulier, mais aussi par le chef d'entreprise. Alors, on est parti de cette problématique-là. Et on a voulu essayer de rapprocher l'écologie de la société en partant des attentes des entreprises et des particuliers. Donc comme l'écologie n'est pas forcément valorisable ni très ludique, on a créé un LinkedIn des engagements environnementaux pour entreprises et particuliers qui utilisent les codes de la gamification, donc des jeux vidéo, pour aller valoriser très simplement ce que font les marques. Des scores, des rangs, des badges, des succès à déverrouiller, des classements par secteur de l'activité, qui permet en 30 secondes de comprendre ce que fait une marque ou un de mes amis ou un influenceur en voyant les badges et les succès déverrouillés. Donc ça remplace en quelque sorte les agences de com qui sont très coûteuses et où on ne peut pas forcément avoir d'impact concret. Et c'est un outil qui est totalement gratuit. Alors pour compléter les profils publics et diversifier ces engagements RSE, il faut passer par notre réseau de partenaires éco-responsables qui ont des solutions écologiques très variées, qui vont des dons associatifs aux produits ou services comme de l'énergie verte moins chère qu'EDF ou des taxis électriques moins chers qu'Uber. Et à chaque fois que j'investis dans une des solutions qu'on m'a suggérées, je gagne des badges, des points, j'alimente mon profil, je monte dans les classements et je me différencie de ma concurrence. Comme on sait ce que fait une marque et ce qu'elle ne fait pas encore en RSE, on est en mesure de lui suggérer des solutions sur mesure et totalement gratuitement pour qu'elle aille plus loin dans ses engagements RSE. Ça permet également d'intégrer les parties prenantes, donc les salariés, dans le suivi et la mise en place des engagements RSE, en permettant aux employés de suggérer des solutions aux responsables RSE, comme du compost, du recyclage alimentaire, du recyclage de déchets, des applications de covoiturage. Donc on intègre toutes les parties prenantes d'une entreprise dans la démarche RSE, avec un suivi et de l'adoption de ces engagements. Et ça permet à la marque de se différencier de sa concurrence, de valoriser gratuitement ce qu'elle fait, et de découvrir les meilleures solutions les plus adaptées à ce qu'elles font. Donc on est en phase de lancement depuis avril en bêta, et on recherche actuellement des entreprises qui vont pouvoir rejoindre notre écosystème de partenaires, sachant que c'est gratuit, et des marques qui vont pouvoir valoriser via leur profil public ce qu'elles font dans la RSE et découvrir les solutions les plus adaptées à leur activité. Merci. Alors on passe à Koum qui vient nous parler de crowd acting. Des solutions et des invitations, des challenges qui vont inviter les salariés de l'entreprise ou leurs partenaires à travailler sur des défis et à être récompensés. Je vais essayer de remonter le micro parce qu'il a tendance à parler tout près et garder le. Merci. Donc, je m'appelle Jérôme Lotte, je suis fondateur de la plateforme koom.org, K-O-O-M.org, qui est en fait une plateforme de crowd acting, donc c'est un nouveau concept, qui permet aux entreprises de mobiliser leurs salariés sur les enjeux de RSE à travers des défis. Donc, par exemple, en disant s'il y a 200 salariés qui adoptent l'éco-conduite, alors en face, de manière volontaire et réciproque, l'entreprise s'engage, par exemple, à financer le permis de conduire de tant de personnes en précarité dans le quartier. L'idée, c'est vraiment de manière réciproque de mobiliser les salariés sur une action comportementale ou de collecte divers et variés, et de dire en face, s'il y a tant de salariés qui font ça, moi, entreprise, je fais quelque chose en réciprocité. Donc ça se présente un peu comme une plateforme de crowd acting, sauf qu'on ne demande pas d'argent aux gens, c'est pour changer le comportement des collaborateurs. Les défis sont visibles sur la plateforme koom.org grand public, donc ce qui donne une visibilité externe à l'action interne de l'entreprise et de ses salariés, parce que souvent ça reste un peu caché en interne de l'entreprise. Ce défi, même quand il est terminé, il reste visible sur la plateforme grand public. Et donc on a commencé à travailler avec certains groupes du type Veolia ou Île-de-France, Humanis et prochainement ADP. Voilà. Merci beaucoup à la BPI de nous avoir invités au village de l'innovation après d'autres forums où nous avons été invités. Merci beaucoup et rendez-vous sur koom.org. Alors maintenant, on va accueillir Soméo. Alors Soméo, c'est une proposition qui va vous surprendre, j'espère vous séduire. Ce sont des solutions
numérique opérationnel et d'accompagnement qui invite à la micro-sieste et aux différentes solutions de récupération dans l'entreprise afin de lutter contre les baisses de vigilance, par exemple. Je vous laisse poursuivre. Merci, bonjour. Benoît Germanos, donc je suis le cofondateur de Someo. Et je vais commencer par vous dire qu'il y a un Français sur cinq qui déclare somnoler tous les jours sur son lieu de travail. Donc c'est un certain nombre de personnes quand même. Ça a des conséquences sur la vigilance, sur la performance, sur les accidents du travail. Quand on est par exemple commercial au volant, ça peut avoir des conséquences importantes, en sachant que la somnolence est le premier risque d'accident routier. Et en face de ça, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On propose des solutions B2B innovantes, donc sur l'aspect qualité de vie au travail, par l'axe du repos, du sommeil et de la relaxation guidée. Trois axes d'intervention principaux. Premier axe, c'est l'apport de solutions opérationnelles d'accompagnement au repos, basées sur des accompagnements sonores qu'on développe, qui sont accessibles via une application mobile. Cette application mobile permet aussi un certain nombre de suivis d'indicateurs bien-être. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est la sensibilisation et la formation des collaborateurs au lien entre sommeil et santé, aux risques liés à la somnolence. Donc, soit de la formation, soit de la sensibilisation, dans le cadre de journées QVT, par exemple, ou dans le cadre de plans de formation plus longs. Troisième axe de travail, l'aménagement d'espaces dédiés au repos sur le site des entreprises. Donc, ces offres, elles sont modulaires et il n'est pas question forcément de proposer l'ensemble à tous les clients. Le manque de sommeil et la somnolence ont des conséquences importantes sur la vigilance, la performance, la santé, la relation avec l'autre. Donc, ce qui va avoir des conséquences sur la performance au sens large de l'entreprise. En termes de RSE, parce que c'est quand même un petit peu le focus d'aujourd'hui, on a deux niveaux d'action, si on peut dire. On a un niveau en externe chez nos clients, puisque de par notre intervention, on va interroger sur les politiques RH, on va interroger sur le lien avec le travail et on va prendre en compte les besoins des collaborateurs. Mais aussi en interne, même si on est une jeune pousse, on a voulu très tôt mettre en place des pratiques RSE. Donc je suis à votre disposition pour vous les présenter plus en détail. Pour terminer sur une note sympa, sur une news importante pour nous, on équipe l'ensemble des commerciaux AXA Sud-Est depuis le mois de mars et on vient de signer avec EDF Méditerranée Commerce pour démarrer une expérimentation en septembre. Donc pour tout le reste, je suis à votre disposition sur le village de l'innovation pour vous présenter nos solutions plus en détail. Je vous remercie beaucoup. On attend Joe Binks. Voilà. Alors, une solution, on en a régulièrement, mais sous des angles différents. Cet angle est particulièrement intéressant. Joe Binks règle le problème ou essaie de résoudre le problème du temps de travail. Enfin, excusez-moi. Du passage du trajet. Merci, je n'y étais plus. Il y a eu une grosse préparation de ce forum-là. Ça commence à être un peu. Donc, du trajet domicile et emploi et espace de travail. En proposant de raisonner le changement d'emploi à égalité de postes occupés. Voilà, donc ça s'adresse évidemment à des entreprises qui ont un volume de salariés signifiant, mais je vous laisse développer. Bonjour, je vais commencer par une histoire. Françoise et Valérie sont toutes les deux hôtesses de caisse, caissières, chez Carrefour. L'une travaille à Marignane, l'autre travaille à Castellane. Elles se croisent, toutes les deux, sans le savoir, tous les matins, tous les soirs. Et elles sont fatiguées par leur trajet quotidien. Le trajet, justement, parlons-en. C'est le premier facteur de stress au travail. C'est 100 000 accidents de trajet par an, chacun se traduisant par 77 jours d'arrêt maladie. Donc c'est 7 700 000 jours d'arrêt maladie à cause du trajet. C'est encore, dans un forum RSE, 12 millions de tonnes de CO2. Est-ce que vous croyez que ce phénomène-là est irrémédiable? Chez Jobilix, nous disons non. Il y a une solution. Donc notre objectif, c'est réduire le trajet domicile-travail. Pour cela, nous avons développé une application digitale à dominante sociale, sociétale et environnementale, qui a pour objet d'analyser le fichier du personnel d'une entreprise, tout le fichier du personnel ou la partie du fichier du personnel que l'entreprise nous confie,
avec l'objectif de calculer les trajets, détecter les situations anormales, et à partir de cette détection, proposer des solutions. Une simulation, une optimisation du lieu de travail et la cerise sur le gâteau, l'échange de lieu de travail, comme l'a dit tout à l'heure la présentatrice, à égalité de postes occupés. Et vous voyez ce que ça peut, quel impact ça peut avoir sur Françoise et Valérie pour, notre, pour leur échange et pour leur vie au quotidien. Le groupe Carrefour est notre premier client. D'autres entreprises très importantes, La Poste par exemple, s'intéressent de très près à notre application, y compris des collectivités publiques qui sont également très intéressées. Et il y a de quoi s'intéresser à notre application parce que les bénéfices, c'est pour tout le monde. C'est par exemple 600 kilos de CO2 économisés par an et par personne qui bénéficie d'un échange. C'est encore 200 heures par an que l'entreprise rend à son salarié. Et c'est aussi 200 euros hein, sur une base de 30 km de trajet domicile-travail économisé par jour. C'est 200 euros de pouvoir d'achat supplémentaire par an. Voilà. Si vous êtes, si vous avez connaissance d'une personne comme Françoise et Valérie, parlez-nous, et nous allons voir ensemble votre directrice RSE et nous leur trouverons une solution. Merci. Alors ici, les équipements de travail étaient intelligents et connectés. Et si les data pouvaient être collectées sur le poste de travail et si elles pouvaient être exploitées par l'entreprise, bah c'est le boulot d'Intellinium. Je vous laisse poursuivre. Intellinium est une start-up ayant développé une technologie brevetée qui permet de transformer un équipement de protection traditionnellement passif en équipement de protection connecté et je dirais intelligent. En l'occurrence, c'est une chaussure de sécurité qui, pour nous, a été le meilleur candidat. Après 6 mois d'études, en 2014, on a déterminé que la chaussure permettait déjà d'éloigner le risque d'ondes, donc notamment le cerveau et tout ce qui va être au niveau du bassin, permettait en termes de poids, permettait en termes de beaucoup de choses, je dirais, d'être le candidat idéal pour venir regrouper ce qui serait l'intelligence et le big data, finalement, du travailleur connecté, puisque c'est le nom de ces solutions. Plus largement, on se situe dans l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est quoi? C'est ce qui va finalement venir accompagner les machines et les travailleurs dans, en ce qui nous concerne, 3 thématiques principales. Plus de sécurité, plus de sûreté, plus de santé. Pour donner quelques exemples, on a parlé tout à l'heure d'endormissement. Une société a parlé de somnolence. La chaussure va être capable de déterminer effectivement le degré de somnolence d'une personne, ou en tout cas, elle va l'interroger. Donc globalement, la chaussure, alors c'est un petit peu technique, elle est haptique et bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'échanger en temps réel avec le travailleur. Le travailleur va, à travers un capteur de force, donc une petite membrane qui est au niveau de la chaussure, appuyer avec son orteil pour communiquer à la chaussure ou à l'extérieur, l'extérieur pouvant être son employeur ou des collègues de travail. Et la chaussure va répondre à travers des retours vibratoires. L'alphabet que l'on utilise, c'est 2 caractères, c'est un point et un trait. Pour ceux qui ont été scouts, c'est du morse. Sauf que pour les entreprises, on est sur des mots très simples, on va dire globalement une dizaine, moins de 10. Pour des forces d'intervention avec qui on travaille, ça va être des choses plus complexes. J'ai parlé de somnolence, on intègre un PTI et un DATI, donc en termes de RSE, évidemment, il y a un impact extrêmement fort. On traite mieux la sûreté, mieux la santé, mieux la sécurité, donc on va pouvoir prévenir des incidents, on va pouvoir faire du big data en temps réel, on va pouvoir dire l'incident n'a pas encore eu lieu mais il va arriver, attention, ou en tout cas il y a une probabilité forte qu'il arrive. On va réduire la sinistralité, c'est-à-dire que lorsqu'un incident arrive, vous avez globalement 15 minutes pour venir réduire finalement l'impact d'un incident. Ça peut être un accident de voiture, la chaussure va être capable de détecter un accident de voiture, ça peut être une chute, ça peut être un malaise, ça peut être une déshydratation, vous tombez dans les pommes, la chaussure va le détecter. Elle va essayer de vous réveiller, elle va envoyer des vibrations profondes, et croyez-moi, si vous êtes conscient, vous les sentez, pour vérifier votre état. L'employeur va pouvoir aussi émettre des levées de doute, y compris préventives, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des employeurs, pour des personnes, notamment des travailleurs isolés qui travaillent la nuit, venir envoyer des vibrations et demander à la personne « est-ce que tu vas bien ?» Si la personne ne répond pas, il y a un risque qu'elle n'aille pas très bien. Le fait de venir intégrer dans la chaussure des dispositifs externes, on va réduire sur des quantités assez astronomiques les déchets. Puisque globalement, tous les boîtiers que vous avez, c'est des batteries.
ce sont des composants électroniques. Tout ça se recycle pas forcément bien et ça fait des montants importants en termes de réduction de déchets, voilà, de ressources. Merci. Alors, on veut la voir la prochaine fois, la chaussure. Hein. En tout cas, je vous encourage à aller sur le stand d'Intellinium où tout est parfaitement développé, présenté et aller un petit peu plus loin sur cette innovation assez étonnante. Walku. Alors, Walku, c'est une boîte qui est toute proche, localement. Vous verrez que sur le village, on a essayé de raisonner très large. Vous avez des boîtes qui arrivent de Lille, de Paris, de Bretagne, et puis des locaux, évidemment, qu'on a l'habitude de croiser dans d'autres événements. Alors, Walku, c'est l'application qui récompense la marche et encourage les habitudes de vie positives sur un territoire ou sur le territoire d'une entreprise. Je vous laisse poursuivre. Bien, bonjour, je suis Jean-Jacques Temprado, professeur à Aix-Marseille Université. Je suis un spécialiste des sciences du mouvement et je suis aussi le cofondateur de Walku. Donc Walku, c'est l'application qui permet de rompre avec la sédentarité en récompensant la marche et la découverte culturelle urbaine. Alors vous le savez sans doute, on passe plus de la moitié de notre journée de travail en position assise. Or, pour l'OMS, sitting is a new smoking. Ça veut dire que, en fait, on sait maintenant que la position assise prolongée a des effets négatifs à la fois sur le bien-être, parce qu'elle favorise l'occurrence des troubles musculo-squelettiques, à la fois sur la santé, parce qu'elle favorise l'occurrence des maladies chroniques, mais aussi sur la longévité, parce qu'elle diminue l'espérance de vie. Et donc, pour rompre avec la sédentarité, contrairement à ce que l'on pense, le fait de réaliser un exercice ponctuel ne suffit pas. En fait, paradoxalement, on peut être actif et sédentaire à la fois. Bon, ce qu'il faut, c'est remplacer le temps passé en position assise par une activité. Il faut donc une solution globale qui s'applique à la fois dans et en dehors de l'entreprise. Et cette solution innovante et scientifiquement validée, eh bien, c'est Walku. Alors, qu'est-ce que Walku ? C'est une application qui permet, à partir de la géolocalisation, de construire des parcours urbains personnalisés à partir de lieux soigneusement sélectionnés par Walku comme étant des signaux faibles du patrimoine culturel urbain. Et donc, l'utilisateur va, de manière gamifiée et ludique, sélectionner les endroits qu'il va visiter et, à mesure qu'il visite des endroits, il gagne des points. Et pour rallier ces différents lieux, il effectue des efforts et ces efforts peuvent être estimés ou calculés en temps réel avec un algorithme scientifique personnalisé et qui transforme en fait ces efforts en points qu'il accumule également. Et pour la version entreprise, en fait, l'utilisation comprend aussi des tableaux de bord qui permettent à l'utilisateur de visualiser son indice de sédentarité au cours de la journée et d'être averti qu'à certains moments, il doit aller faire un petit peu d'exercice et remplacer finalement la position assise par de l'activité. Donc l'utilisateur bouge, accumule des points et ces points, il va les échanger contre des cadeaux dans la vraie vie qui sont attribués par les partenaires de Walku, ces partenaires qui partagent les mêmes valeurs éthiques que Walku et qui proposent donc des produits bio, des produits qui sont bons pour la santé, des produits qui sont issus du commerce durable. Alors, la start-up Walku propose pour les entreprises un service à la demande et sur mesure qui comprend trois grandes fonctions. La première fonction est une fonction de diagnostic. Elle conduit, en fait, à quantifier l'indice de sédentarité collectif de l'entreprise. La deuxième fonction est une fonction de coélaboration d'une procédure de remédiation. Cela va de l'information des collaborateurs à leur motivation et bien sûr à l'adaptation de l'application pour les récompenses. Et la troisième fonction, eh bien, c'est une fonction donc de pilotage à partir d'une interface qui permet de visualiser l'indice de sédentarité. Voilà, le produit sera disponible en septembre. Avant ça, nous aurons participé avec la délégation de la French Tech au DLD de Tel Aviv. Je vous remercie.
Alors nous avons perdu, et je les appelle Goldmap, Microfit et Whipple. Très bien. Rejoignez-nous. Voilà, on y est, parfait. Alors, on va commencer par Whipple. Whipple, c'est une solution qui traite la question de la mobilité, et précisément de la mobilité accompagnée, augmentée par le relais de l'entreprise, qui va, via cette solution, accompagner la problématique du covoiturage, ce qui est là encore assez, une proposition assez distinctive, puisqu'en principe, le voiturage s'organise d'homme à homme avec toutes les difficultés que ça présente. Whipple. Merci. Alors moi, je vais vous raconter une histoire aussi. Voilà. Je suis un salarié et j'ai essayé le covoiturage. Voilà. Donc, avant, j'avais ma voiture et j'allais tous les jours, tout seul dans ma voiture, au bureau. Et ça représentait à peu près, j'ai fait le calcul, 1 300 € rien qu'en essence. Donc, du coup, je me suis dit, ça fait un peu beaucoup. Je vais essayer de changer un peu. Donc, mon besoin, c'est quoi ? C'est, bon, j'ai un véhicule, je veux trouver un équipage de covoiturage, covoiturer avec eux et alterner les jours de conduite. Donc, quand j'ai mon véhicule, je conduis et j'amène des passagers. Et les autres jours, je suis passager et d'autres covoiturent à ma place. Bon, OK, très bien. Donc, j'ai regardé un petit peu les différents sites de covoiturage qui existent. Bah, ils sont un petit peu tous sur le même modèle. Hein. C'est la monétisation des places libres dans la voiture. C'est-à-dire qu'on paye le conducteur à chaque fois. Bah, ça répond pas à mon besoin, en fait. Donc, si en plus, à forcerie, on doit... Tous les matins, vous imaginez, tous les matins, on doit aller chercher une annonce de covoiturage pour se rendre au bureau. Tous les soirs, on doit chercher une annonce de covoiturage pour revenir. Et vous faites ça le lendemain matin, vous faites ça le lendemain soir. Bah, à la fin, moi, le temps passé, enfin, j'ai vraiment autre chose à faire, quoi. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, mon entreprise a dit, bah, on va mettre en place un site de covoiturage en interne. Bon, OK, on a essayé avec quelques collègues. Ouais, ça a duré quelques semaines. Au début, c'est simple. Hein. Voilà, on couverture tous les jours de la semaine. Voilà, moi, j'avais pris le lundi, Thomas, c'était le mardi. Il y avait Nathalie le mercredi. Bon, très bien, ça marchait bien. C'est après que ça a commencé à se gâter. Voilà, on a eu Thomas qui s'est mis en télétravail un jour de la semaine. On a eu un 4-5e aussi qui est arrivé. Et puis, même, dès que vous posez des jours de congé ou des jours de RTT, voilà, c'est le bazar, c'est la désynchronisation totale. Donc, du coup, on a arrêté, quoi. Et je voyais bien mon entreprise, elle était là, elle poussait vraiment pour dire « Mais non, il faut aller, il faut covoiturer, allez-y. » Donc, semaine de la mobilité, semaine européenne de la mobilité, la journée du covoiturage, tout ça. Ils incitaient. Mais en fait, bah, non, ça n'y changeait rien du tout. Parce que le problème n'était pas résolu. Et le problème, c'est quoi, en fait ? Le vrai problème, c'est quoi ? Bah, le vrai problème, c'est l'absence d'organisation du groupe de covoiturage après la mise en relation. Bah, du coup, on fait quoi ? On fait comment pour covoiturer ? Comment ? Oui, Whipple ? Allez, passez nous voir. Merci. Alors, le bien-être au travail, le bien-être en général, ce sont aussi des solutions pour la nutrition. Certaines sont produites à partir de micro-algues. C'est le positionnement de Microfit qui va nous en parler. Oui, bonjour. Donc, je représente la société Microfit qui produit des micro-algues et qui est installée donc, à Bayargues, à côté de Montpellier. Et donc, notre croyance, c'est que les micro-algues et leur biodiversité vont nous permettre de trouver des solutions uniques pour le bien-être, la nutrition et la santé. Hop. Donc, pour cela, on réalise et on produit nous-mêmes des ingrédients actifs, sûrs, naturels et mots qui rentrent dans le cadre de cet événement, durables. Et donc, on a deux grands secteurs d'activité qui sont d'une part les compléments alimentaires, l'aspect nutrition, et d'autre part la cosmétique, avec ce que vous voyez partout, des produits qui sont actifs pour réduire les rides ou des choses comme ça. Donc on a des solutions à proposer sur ces produits à action cosmétique. Notre présence aussi ici, c'est pour indiquer que dans nos domaines,
Je vous ai dit tout à l'heure, la partie durable de notre proposition, c'est un facteur extrêmement important et que, donc, avec la volonté du dirigeant et l'adhésion de l'ensemble du personnel à ces politiques RSE, ça devient quelque chose d'incontournable dans les sociétés et dans les marchés cosmétiques et nutrition. Et que si vous ne faites pas l'équivalent de la RSE, vous allez être éjecté de ce type de marché. Et donc, le fait ici de pouvoir faire de la RSE à son rythme, puisqu'on est une toute petite société, nous croyons dur comme fer que nous allons pouvoir améliorer notre rentabilité économique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il nous reste deux start-up à rencontrer. On va poursuivre avec Goldmap. Goldmap, c'est une solution interactive qui permet de se fixer des objectifs dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'activité physique, du sommeil, de la productivité. Tout ça étant complètement cohérent avec des conditions et une hygiène de vie propices à se sentir mieux dans son job, dans sa vie, dans son boulot. C'est la proposition de Goldmap qui vient nous la raconter tout de suite. Merci Martine. Bonjour à tous, donc moi je suis Arthur Catani, je suis l'un des cofondateurs de Goldmap, qui est une start-up aixoise qui développe des programmes innovants pour le bien-être des salariés. Donc vous le savez tous, je pense que le mal-être au travail coûte cher aux entreprises aujourd'hui. Il y a 2 salariés sur 10 qui se disent proches du burn-out. L'absentéisme, le turnover, le stress, ça coûte cher. Ça coûte environ 10 000 euros par an par salarié. Et on voit qu'il y a des salariés qui sont en attente de solutions de la part de leur entreprise. Donc il y a 8 employés sur 10 qui considèrent que leur entreprise a un rôle à jouer dans leur bien-être, selon la dernière étude de Malakoff Médéric. Donc nous, en fait, on va aider les entreprises à passer à l'acte et à déployer du bien-être dans leur lieu de travail et à améliorer leur capital santé. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec 3 axes. Le premier, c'est des bilans bien-être qui sont envoyés de manière régulière aux employés. Le deuxième, c'est du coaching physique avec nos partenaires. Et le troisième, c'est du coaching digital avec l'application mobile Goldmap qu'on a développée et qui permet d'accompagner les employés sur le long terme dans la mise en place de bonnes habitudes. Donc les bilans bien-être, on envoie des questionnaires à chaque employé de l'entreprise sur 3 thématiques, la gestion du stress, l'activité physique et l'alimentation. On agrège les données, on les présente de manière confidentielle et anonymisée au management pour aider le management à prendre le pouls bien-être en fait, de ses collaborateurs. La deuxième chose, en fonction des résultats qu'on va avoir sur ces questionnaires, on va déployer un programme de coaching physique avec nos prestataires, style atelier physique de yoga, de méditation ou d'activité sportive. Et puis sur le numérique, on va, grâce à notre application mobile Goldmap, accompagner l'employé sur le long terme avec un suivi personnalisé. Notre appli mobile Goldmap, c'est l'appli de bien-être numéro 1 en France. On est à près de 100 000 téléchargements sur application, 1 500 notes. L'application est notée 4,4 sur 5. Donc c'est une appli qui va accompagner vos employés dans la mise en place de bonnes habitudes. Nous, on est persuadés que c'est sur ce mix entre physique et numérique qu'il faut parier pour le bien-être sur le long terme, puisque les activités physiques permettent de créer de l'engagement, de créer du lien humain dans l'entreprise, tandis que le suivi numérique va permettre le prolongement des activités sur le long terme et va permettre une meilleure personnalisation. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va terminer en recevant un Marseillais, un voisin, Natural Solutions. Voisin parce que je dirige un lieu qui s'appelle La Boîte à Marseille, qui est un lieu d'innovation. Je vous invite tous, start-up, professionnels, à venir y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment une bulle d'invention, de créativité et de beaux projets que nous accueillons avec un immense plaisir. La Boîte est sur le Vieux-Port. Natural Solutions est à 2 pas et Natural Solutions nous permet de mettre un peu de poésie dans cette présentation, puisque, et vous les verrez là, Natural a conçu une mangeoire connectée pour les petits oiseaux. Alors, c'est assez bluffant et ça permet de réintroduire ce sentiment de bien-être et de biodiversité dans l'entreprise. Olivier, à toi. Merci, voisine. On est à la rue Sainte, tous les deux.
Donc Natural Solutions, c'est une agence du numérique spécialisée dans la biodiversité. On est un petit peu leader dans l'acquisition, structuration, valorisation des données de biodiversité sur le territoire. On a créé tout un tas d'applis, dont notamment une éco-balade que vous pouvez venir voir sur le stand, qui permet de découvrir la faune et la flore sur un territoire. Et là, on lance un nouveau produit. En fait, on a fait beaucoup de projets de sciences participatives qui visaient à acquérir par le public des données de biodiversité sur le territoire grâce à des applis, des plateformes, etc. Et puis on a fait aussi des projets qui visaient à essayer de récupérer à partir de données de capteurs des données de biodiversité. Et mon idée, ça a été d'essayer d'agréger ces deux projets et de créer un capteur biodiversité en entreprise. Donc comment est-ce qu'on fait un capteur biodiversité en entreprise ? Ben, c'est pas facile. On s'est creusé la tête et puis on s'est dit, ben, on va essayer de connecter une mangeoire. Donc on va essayer de prendre des photos à chaque fois qu'il y a un petit oiseau qui vient à la mangeoire pour essayer de faire de la détermination automatique de photos après derrière et avoir une idée du patrimoine biodiversité d'un parc naturel, d'un parc sauvage et potentiellement faire remonter ça aux employés et donc leur offrir un petit instant biodiversité parce que finalement notre métier c'est offrir des instants biodiversité aux gens, aux touristes et aux employés. Donc en pratique c'est quoi ? C'est une caméra trappe. Donc une caméra trappe, c'est un capteur de présence, c'est un appareil photo. Il y a une carte Raspberry Pi à l'intérieur pour les techniciens, pour les geeks. Ça prend une photo à chaque fois qu'il y a un oiseau dessus. Ensuite, il y a une puce 3G qui va alimenter un serveur. On récupère la photo, on fait du traitement d'image et on arrive à avoir un indice de biodiversité en entreprise. Et on fait remonter une partie de ces photos sur les dashboards de l'intranet ou sur l'extranet de l'entreprise pour pouvoir s'approprier un petit peu la nature, même si elle est dehors et qu'on est coincé au bureau. Voilà, c'est Natural Solutions. On est au 68 rue Sainte, juste à côté de chez Martine. Et le stand est juste là. Voilà, la séquence de pitch est terminée, mais toutes nos startups sont là. Profitez-en, maintenant vous les connaissez un peu mieux, profitez-en pour les visiter, échanger des cartes, les rappeler, les suivre, parce que je pense qu'on les retrouvera grandis l'année prochaine et peut-être les années d'après. Et si vous avez dans la tête, puisque ce village sert à collecter de belles initiatives, si vous avez à l'esprit ou en rencontre de beaux projets de start-up, évidemment, contactez-nous, revenez vers nous sur le forum Reset, parce que la programmation l'année prochaine essaiera d'être aussi dynamique que celle-ci. Je laisse Cécilia prendre la suite pour le programme.